Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog Ramadan en compagnie de la petite Myriam. Ça va ou quoi Myriam? Ça va. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Quoi? Bah, je vais tenter pour la première fois de ma vie de faire le Ramadan. Non! On sait très bien que pour les enfants comme Myriam, c'est pas obligatoire de faire le Ramadan. Elle veut tenter, on va la laisser tenter. Mais par contre, si tu te sens fatigué, t'as faim, t'as soif, tu te sens pas bien, tu manges direct. Ok? Je voulais essayer pour la première fois pour voir si j'arrive. On va voir si elle va réussir. On va aller voir ce que Younes y fait. Il fait quoi Younes? Il dort tellement paisiblement que je pourrais le réveiller. Il rêve de quoi à ton avis? Je suis pas moi. Essaye de mettre ta main sur sa tête pour voir si ça marche, si tu peux savoir de quoi il rêve. Vas-y. Qui veut? Moi, je vais Enzo direct, qui veut en paquet? Chocobon, ouais, paquet. Moi, j'attendais. Je la t-shirt. Moi, je veux pas, j'ai rien à voir. Fallait tout prendre. T'as mal au ventre? Lui, il est trop là pour moi. On a les Pimps. C'est ça, tu veux? Jamais goûté. Je goûte parce que il m'a trop matrix. Moi, j'ai mal au ventre. J'ai mélangé trop de trucs dans mon ventre. Ça fait bizarre. Bah, faut pas manger alors. Goûte en direct, vas-y, goûte les Pimps. Moi, j'ai la sous-marque. C'est bon, c'est bon. Merci, goûte les Pimps. Moi, j'ai la sous-marque. C'est quoi cette tête, ouais? Oh, la masterclass. Oh, oui. Ah, c'était sûr. Il y en a ceux qui n'ont pas eu, Younes. Ouais. Ah, vous savez que Myriam, ah, Myriam elle m'a dit elle veut faire le Ramadan. Ah ouais? On parie combien, elle va pas te venir? Ouais, et moi je dis, elle tient 5 jours. Elle tient 2 jours. Eh, Enzo, t'as déjà mis du ketchup dans tes pâtes? Il pense qu'à manger, c'est incroyable. Eh, hey, Younes, réveille-toi là. Réveille-toi. On va sortir, réveille-toi. Arrête, Myriam, s'il te plaît. On va sortir, réveille-toi. Oh, habille-toi, on va sortir. J'arrive. Dans 2 minutes, si t'es pas bien, tu vas voir. D'accord, j'arrive. Dépêche-toi. Hein. D'accord, j'arrive. Dépêche-toi. J'arrive. Allez là-bas, j'arrive. Si vas-y. A few moments later. Mais attends, mais vous vous foutez de moi, vous deux là. Pourquoi? Maman, elle va vous tuer. Regardez le sol. Regardez le sol. Personne n'a nettoyé. Ils ont foutu le bordel quand ils ont mangé et il y a personne qui a nettoyé. Mais t'inquiète pas, on va sortir là. Je vais mettre un robot, le robot Rock S8 à ma place. On n'a pas besoin de faire le ménage, c'est le Ramadan, j'ai pas envie de faire le ménage, on va laisser le robot faire. Je vous montre les gars, même si vous êtes dans cette galère, je vous montrerai le robot, comme ça il va faire le ménage à votre place. C'est ça qui va vous sauver du ménage. Ouais, c'est un robot qui va faire l'aspirateur, la serpillière à notre place, je vais te le présenter. Automatiquement, moi j'ai la flemme, c'est le Ramadan Yacine, j'ai pas envie de faire le ménage aujourd'hui. Ici on a un capot, donc ici vous pouvez changer quand ça va... Ok, quand ça va changer, quand il y aura de la poussière ici, ça va aspirer, ça vous le changez, vous mettez à la poubelle. Parfait, on a aussi un bac d'eau parce qu'il fait aussi 6 serpillères. Vous remplissez l'eau ici là et ça fait serpillère pour vous, c'est incroyable. Et le pire, vous allez voir, c'est que tout se contrôle avec l'application. Celui-là par rapport au S7, ils l'ont amélioré de 30% au niveau de l'aspiration des cheveux. Même si vous avez des animaux, des petits chats, ça vous aspire les poils de chat, ça s'est amélioré de 30%, c'est vraiment super cool. Ce qui est bien, c'est qu'avec le nouveau Roborock, vous avez, on a des tapis comme ça, ils ont amélioré de 20% de nettoyage. Donc on va le mettre en route. Comme ça, on pourra aller chez Sofiane et on va voir ce que ça donne. Donc là, on est sur l'application. Vous avez vu, Roborock S8, il est chargé à 88%. On va faire saisir. Et de là, je vais pouvoir tout contrôler. Là, il y a la maison. Là, il y a la zone. Il y a le niveau de la batterie, etc. Donc là, on va faire nettoyer. Et là, il va se mettre à nettoyer tout seul. Vous allez voir. Là, il repère la pièce. Mais il a un capteur 3D. Il se mange pas les murs grâce à ça. On peut mettre pause et ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre l'intensité au maximum si vous voulez que ça aspire plus fort. Regardez ici, intensité de frottement, on va mettre élevé, intense. Et puissance d'aspiration, on va mettre très très fort. Comme ça fait un bon nettoyage. Là, je mets ma veste, on va aller avec Myriam et tout chez Sofiane et Omar. Je vais laisser le robot faire ça à ma place, que je vous ai dit, flemme. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir aussi aspirer le tapis. Il est super bien pour les tapis. On va nettoyer le tapis là. Je sais que vous allez être intéressé, du coup je vous mets le lien en description. Tout est juste en bas, allez regarder le site. Franchement le robot il est impeccable. Bon moi je me dépêche, ils m'attendent. On est arrivé chez Sofiane comme je vous ai dit, c'est son anniversaire du coup. Dis pas t'as quel âge? Je dis pas. Deux minutes dans les commentaires. Et aujourd'hui t'as vu c'est quoi le concept? C'est que Myriam avait essayé de faire le Ramadan. Tu pronostiques quoi? Elle m'a dit qu'elle allait essayer de faire samedi, ouais. Quand... Franchement. Tu penses qu'elle va tenir jusqu'à quelle heure ou est-ce qu'elle va tenir? Elle est un peu jeune, donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Myriam, il a mais pas. Elle a un mental de fou, mais en plus. Mais en fait, le problème. Je veux dire, pour sa défense, elle a essayé deux fois, elle a craqué à midi. Mais le problème, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Myriam, c'est la sœur de Younes, et Younes, il l'emmène dans un endroit de. Dans une vision de bouffe.
quand je la mangeais, je pète les plombs. Ouais, mange. C'est à dire que là maintenant, elle kiffe la bouffe. C'est ça qui va, leur, qui va être le plus dur pour elle. Sait que le ramadan, c'est un mois mais sacré. Mais elle sait que c'est important. C'est un mois important. Donc, moi, je pense que Samia va réussir. Elle va réussir. Parce qu'en plus, ça, c'est les trois premiers jours où on mange à 19h. C'est long, mais je me dis peut-être. Là, il est 15h pour l'instant, ça va. On va voir tout à l'heure. Bon, aussi, premier cadeau, vu que c'est son anniversaire. On avait parlé d'un petit truc. Tu vas rigoler, c'est quoi? Oh, non, on a le boss. On en avait parlé et tout parce que. Parce qu'en fait, lui, on fait des diètes et je lui dis, Sofiane, prends la sauce ketchup, il n'y a grave pas de sucre. Du coup, il n'y en a pas dans le mien. Tu sais que j'en mange moi de celle-là. Ah ouais, elle est incroyable. Alors, pour ceux qui veulent savoir, c'est quoi, regardez ici, il y a marqué tomato ketchup, zéro sel ajouté et il n'y a pas du tout de sucre. Donc tu peux bien manger du ketchup et c'est carré. Deuxième cadeau, je te laisse le choix entre. Parce que je sais qu'il y aurait des. Nous, on joue à Call of et nous, on veut des manettes avec des palettes. Entre une manette à palette. Ou une paire de baskets. Pour de vrai? Voilà, pour de vrai. Je te laisse choisir. Il y a un gros dilemme. Parce qu'à chaque fois on joue tout à Call of, nous on est des toxiques, on est bien sauté ici. Ah ouais. Donc du coup je vais choisir. Soit une paire de baskets ou une manette. Voilà, en vrai, je sais ce que je vais faire. Je vais regarder sur Nike si c'est des bonnes paires. Mais je sais qu'en ce moment c'est dur de trouver une bonne paire. Ouais, ils en font plus. Sachant que là c'est le ramadan, on est bloqué à la maison. Enfin, on n'est pas bloqué, Starfall là, mais on reste beaucoup à la maison. C'est vrai que la manette c'est pas mal. C'est pas mal. A few moments later. Combien de fois les gens essaient de te tuer, ils essaient de devenir entendus. Ça te rate de situation. Entre les baskets et la manette, il a choisi quoi, Yacine, entre les baskets et la manette? Il y a un gros indice là, tout simplement. Il a choisi la manette. Smarley, il a bien raison. Moi, j'aurais choisi la manette aussi, hein, je suis désolé. C'est le ramadan, il va y avoir des grosses sessions de Call of. Il faut une manette adaptée, je suis désolé. Et Omar, il lui a conseillé de prendre les baskets. Parce qu'il va pas jouer à Call of, lui, c'est pour ça. Mais non, non les baskets, j'ai dit, je prendrais une paire. C'est pas ça, c'est histoire d'avoir une bonne paire, d'être assis. Omar, il a changé. Non, hein, c'est plus un geek, non hein, tu l'as, c'est plus terminé. C'est plus avoir un une bonne paire pour aller à Tarawih. alors, c'est très bien que Tarawih, le best combo, c'est claquette chaussée. Merci. On s'est déjà fait voler, c'est Azix. Il est rentré à des Azix Nord, écoute, des Azix Nord de malade. Ouais, j'étais grave. Il sort de la mosquée, mais sous. Je sors de la mosquée, wallah, je sors de la mosquée, je suis pieds nus, je suis en chaussettes. Je marche en chaussettes partout avec les. J'appelle mon père, allô papa, allô. Mon père il dit, bah, je suis rentré. Ils lui ont donné les claquettes des ablutions. Les claquettes avec des trous. Les claquettes marrons avec des ablutions, ils m'ont donné ça pour que je rentre chez moi. Ah, j'étais mort. Profitez de ses derniers moments avec sa manette comme ça. C'est ça ton sabre. Il a un sabre. Claque. Coup de queue. Attends. Alors avec ta nouvelle manette, ça va être incroyable. Ouais, ouais. C'est pas fini. Hein. Il a perdu tout le monde dans la position. Et je l'ai cherché, je l'ai trouvé pas. On va faire un point avec Myriam. Comment tu te sens là devant la caméra? Bah pour l'instant là ça va, j'ai pas soif, j'ai bien faim. Sérieux? Mmh. J'allais trop forte. Et je voulais vous dire un truc aussi, que chaque soir Allah il a franchi les gens de l'envers. Par exemple, si t'as fait du mal toute ta vie et que bah tu te comportes bien pendant le mois de Ramadan, et bah Allah juste pour ça il peut t'emmener au paradis. Ça veut dire que tu devais aller en enfer. Mais comme tu te comportes bien pendant le ramadan, Allah il te sauve de l'enfer, il te fait entrer au paradis. Attention, quand on se comporte bien pendant le ramadan, il faut que 100% de ton comportement il soit pour Allah. C'est pas 80% pour Allah et 20% pour impressionner un tel ou un tel. Donc tout ce que vous faites... Ça veut dire toi, comme si t'apprenais le Coran, mais t'apprends pour que les gens ils disent ouais, « Ah, exactement. Yacine, c'est bien, il connaît le et Coran. » Et aussi, faut pas faire que ça pendant le ramadan, faut faire tout le temps. D'ailleurs, Yacine, il a le Coran, vu que c'est le mois où le Coran était descendu. C'est le mois où ce que je te propose, c'est d'ouvrir vraiment au hasard et de choisir un verset au hasard et on le lit ensemble. Comme ça, tout le monde peut profiter, Inch'Allah. Ok, je vous rebats là. C'est Solat El Hajj, le pèlerinage. Waouh. Subhanallah. Donc, El Hajj, le pèlerinage. On lit un verset, le premier que vous voulez. Je lis le premier que je trouve. Vas-y, le premier que tu trouves. Alors, il y a marqué, il en est ainsi parce que Allah est la vérité et c'est lui qui rend la vie aux morts et c'est lui qui est omnipotent. Subhanallah. Tu peux expliquer un peu? En gros, Allah il rend la vie aux morts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez mourir, Allah il va nous ressusciter et il y aura le jour du jugement dernier omnipotent. C'est-à-dire qu'Allah il est capable de tout, il peut vraiment tout faire. Si, je ne sais pas, demain Allah il veut quelque chose, il a juste à dire soit et la chose allait. Ouais, et ce que tu as dit avant, c'est que Allah quand on va mourir, il va nous ressusciter, mais après on va vivre pour combien de temps? Et après, ouais, une fois qu'Allah il nous aurait ressuscité, il y aura le jour du jugement dernier. Il y en a qui vont aller au paradis, il y en a qui vont aller en enfer. Et ça, c'est pour l'éternité. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort. Après, c'est fini la mort. Il n'y a plus de mort. Vas-y, Myriam, si tu veux en lire un. Tu ouvres le. Est-ce que tu as les ablutions? Non. Bah, Yacine, tu lui ouvres. Parce que quand vous n'avez pas les ablutions, la famille, il ne faut pas toucher le livre. On dit mushaf en arabe. Ici. À Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'il renferme, et il est omnipotent.
Subhanallah, ça veut dire quoi Yacine? Ça veut dire que tout ce que vous voyez autour de vous, ça appartient à Allah. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est entre les cieux, ça appartient à Allah. Ça veut dire que même l'argent que t'as, tout ce que t'as, ça appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Ça veut dire même si demain, je sais pas, Younes il m'offre une moto, la moto elle m'appartient même pas, elle appartient à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Tout appartient à Dieu et Dieu, comme je dis, est capable de tout. Il est 18h19, il reste plus qu'une heure. Là, on a la ligne d'arrivée. Est-ce que Myriam va manger ou pas? Parce qu'on est parti, on est revenu. Regardez sur la table, il y a des trucs qui sont... C'est bizarre, il y a du Kinder Bueno, il y a des Pimps. On va aller voir. J'ai laissé pour Myriam, mais elle n'a pas mangé apparemment. Myriam, à ce que je vois, t'es en PLS. Est-ce que tu as mangé ou pas? Moi, je n'ai pas mangé. C'est Hedda, pas de Kinder. T'as le Kinder, tu l'as mangé? Je veux dire, là, les deux. Là, il te reste une heure. T'es KO? Tu te sens comment? Lève-toi. Elle est KO! Tu te sens comment? Normal. Dis la vérité. Si là, je te dis, on va taper un foot, tu vas taper un foot. Bon, ok. Je vois qu'elle est un peu fatiguée. Est-ce que tu veux manger? Franchement, tu n'es pas obligé de faire le jeûne à ton âge. Est-ce que tu veux manger tout de suite ou tu veux attendre encore une heure? J'attends encore une heure. Ok. Je vais te faire à manger avec Yacine et maman. Et après, on se retrouve pour la dégustation. Je te laisse regarder un peu tes dessins animés. C'est bien! Elle est KO, je suis mort, je viens dans la cuisine, il n'y a jamais ça d'habitude. Regardez ce qu'elle a acheté. Oh la méga halle fort! Des macros! Oh, des macros! Oh! Des cornes de gazelle! Mais Myriam! Ah, t'avais vraiment envie de sucre! Il reste 10 minutes! Ouh là 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 là! Est-ce que là, comment tu sens? Est-ce que tu penses que tu peux tenir encore? Ou est-ce que tu dis que là, t'arrives à ta limite et c'est chaud là? Je peux tenir encore. Ah ouais? Bah oui, vu que c'est la fin. T'as pas faim? Non mais si par exemple je te dirais de tenir encore 2-3 heures, tu pourrais? Non. 10 minutes tu peux. Ok, 10 minutes elle peut, en tout cas. On va présenter la table, elle s'est fait une vraie assiette, on va présenter la table. C'est moi qui vais présenter la table. Alors tu vois la crème chantilly. Vas-y, prépare crème chantilly, fraise, prépare ça. C'est une vraie table d'enfant. Tu sais qu'il y en a qui mangent des fraises avec le truc derrière là, les... Genre ça là, ils mangent avec ça, les trucs verts. Mais après quand tu vas aux toilettes, ça doit être bizarre. Ouais. Regardez ce qu'elle va se faire la gourmande. Wow, elle va se faire une... Wesh. Eh, c'est sûr, elle attendait ça toute la journée. Wow. À 20 secondes de l'heure de manger. Ça a donné, mais je crois qu'elle n'est pas bien réglée. En gros, ça a 12. Là, il est 12. Sauf qu'en gros, elle a une minute d'avance, celle-là. Ouais. Ah, c'est bon, Myriam. C'est l'heure. Allez, bismillah. C'est mon verre, ça. Que Dieu accepte votre jeûne. Saraf Tolkom à tous. Myriam, elle casse par un petit verre d'eau. Ça fait du bien. Waouh. Bismillah. La Doha. Ouais, la Doha, que ta prof de cours arabe. Voilà, je sais. Bismillah. Une bonne petite date. Toi, tu coupes pas par une date, tu coupes par de l'eau. Je me suis trompé, normalement je fais des dates, mais je suis plus lucide là. Ah, ok. La soif est partie. La soif est partie. Les veines sont humides. Les veines sont humides. Et la récompense est assurée. Et la récompense est assurée. Si Allah le veut. Allez, tu peux commencer à manger. On va prier avant, non? Moi, je mange avant. Vas-y si tu veux. Vas-y, mange, t'inquiète. Fais-nous un petit croc dans ce que tu veux là pour tester, pour voir si elle va aimer ou pas. Ça. Le poisson d'abord. Ok. Pendant qu'elle mange la famille, à partir de mercredi, il va y avoir une surprise incroyable. En gros, faut pas rater la vidéo de mercredi. Franchement, faut pas rater la vidéo de mercredi. Et que juste avant de manger, n'oubliez pas de faire des invocations. Et n'oubliez pas, Yacine, moi, Myriam, mes parents et tout, dans les invocations. Qu'Allah, il nous pardonne. Allez. C'est les meilleures feuilles de brique que j'ai jamais mangées. Elles sont incroyables. Elles sont vraiment incroyables. C'est mieux qu'un grec ? Moi, j'attends un peu, j'attends de prier avant. Parce que si je commence à manger là, je vais jamais m'arrêter. Tu vas t'étouffer. Calme-toi. C'est quoi que t'as préféré dans tout ce que t'as mangé ? Feuilles de brique ? Eh, mais au final, t'avais dit qu'elle allait pas finir, mais regarde. Hein. Elle va tout terminer. Moi, je voulais juste savoir, tu vas manger toute l'assiette ou on peut manger ou c'est comment ? Vous pouvez manger. Ok, et toi, tu veux prendre quoi dans ça ? Bah, un peu de tout. Un peu de tout? Mais elle commence à devenir comme moi, j'y crois pas. Bah vas-y, je te laisse taper un croc dans ce que tu veux pour voir et tu me dis ce qui est bon parce que je sais pas si je goûte ou pas, ça me donne pas envie. Bah peut-être déjà ça. Comment ça s'appelle ça déjà? Kalbellouz. Kalbellouz? Ouais, je te jure. Là. Dites-nous, vous avez mangé quoi vous au Ftour? Alors, c'est incroyable. Moi je dis soit frites pizza, soit frites feuilles de brique qu'ils ont mangé. Celui-là il a l'air d'être incroyable, mais je sais pas, c'est trop sucré frère. En tout cas, nous on va vous laisser là, on va manger tranquillement. À partir de mercredi, il va falloir vraiment regarder les vidéos parce que ça va être incroyable, Inch'Allah. Oh, elle s'arrête pas, même ça. Bon, allez, ciao la famille.